Bonsoir à tous. Il y a un an, le 4 août, le monde entier regardait avec effroi la colonne de fumée qui s'élevait du port de Beyrouth. À 18h, 2750 tonnes de nitrate d'ammonium stockées dans le hangar numéro 12 de la zone portuaire que vous voyez derrière moi explosent, soufflant littéralement une partie de la ville. Bilan, près de 200 morts, 6500 blessés et des milliers d'immeubles détruits et de familles sans abri. Cette catastrophe s'abat sur le Liban. Le pays affronte déjà de multiples crises. La crise sanitaire du Covid-19 qui sature rapidement le système hospitalier. Mais d'abord, la crise économique depuis 2018, terrible. La Banque mondiale parle d'une dépression économique sévère. La crise politique avec la corruption, le clientélisme et la paralysie du consensus qui veut répartir le pouvoir entre les différentes communautés. Depuis octobre 2019, la jeunesse du Liban descend sporadiquement dans la rue au cri de « Saora, Saora, la révolution ». Ils veulent un changement complet du système et des dirigeants politiques. Et puis il y a la crise des réfugiés. Le Liban accueille 2 millions de personnes déplacées sur son sol pour 4 millions de citoyens, l'équivalent de la moitié de sa population. Et cela bouleverse en profondeur l'équilibre entre les communautés, puisque ces réfugiés sont dans leur immense majorité des musulmans. Alors le pacte libanais qui a permis l'émergence de ce pays unique au Moyen-Orient, le seul à garantir la pleine citoyenneté et la liberté religieuse à tous ses citoyens, ce pacte est aujourd'hui en panne et son avenir menacé. Un an après l'explosion du port, comment vont les Libanais? Comment vont les chrétiens du Liban? Comment organisent-ils la solidarité dans un quotidien plus chaotique que jamais? Mais surtout, comment maintiennent-ils dans la foi l'espoir d'un avenir pour leur pays, l'espérance même d'une résurrection? C'est ce que nous allons voir dans ce magazine. Le Liban n'est plus en mesure d'assurer les besoins primaires de sa population. Alors la solidarité se réorganise pour faire face aux urgences qui ont décuplé. Et dans cette émission, avec l'œuvre d'Orient, Malte Liban, Caritas Liban, nous irons à la rencontre de ces situations du quotidien, avec ceux qui sont dans les centres de soins, avec celles qui assurent une présence fraternelle et priante au cœur d'un camp de réfugiés, avec ceux qui, envers et contre tout, maintiennent la vie dans les écoles. Mais le premier de tous les besoins, c'est de se nourrir. Et ici, à Beyrouth, de plus en plus de gens ont faim. Dans le quartier d'Acherafia, à l'est de Beyrouth, Caritas Liban s'apprête à distribuer 220 repas. Ici, les familles sont de plus en plus précaires. Chaque jour, les bénéficiaires viennent au centre afin de bénéficier de ces plats. Toujours, il y a des différents menus. Et bien sûr, ça fait une bonne relation avec les bénéficiaires parce que le fait de venir et prendre toujours, chaque jour, un plat, c'est pour eux quelque chose qui est satisfaisant et bien à l'aise. وربطت الخبز صارت ب 5000 ليره ما هيك ولا لا كيف بدي شو بدي اسوي وكهرباء ما في 24 عم يعطونا اياها ساعه اذا جبنا لنا بطيخه عم يقول له اعطينا نص بطيخه بالقوه تنخلصها لانه اذا ضلت لتاني يوم بنكبها بزباله صدقيني. Au Liban, plus de 50% de la population vit sous le seuil de pauvreté et environ un quart des Libanais souffrent même d'extrême pauvreté. Le pays traverse l'une des pires crises économiques depuis 150 ans. Ces dernières semaines, la situation a empiré avec une multiplication des pénuries. Essence, médicaments et certains produits alimentaires. Tout a bousculé vraiment après le 4 août.
tous ces besoins ont vraiment augmenté par des centaines. C'est-à-dire les familles qu'on était en train d'aider, on peut dire qu'ils sont maintenant dans les centaines, même dans les milliers. On reçoit par semaine plus que 100 nouveaux cas de demande d'aide. Comme Dan et Ruth, une dizaine de jeunes bénévoles dans le secteur de Caritas Liban à Cherafia se mobilisent pour apporter leur aide. Des repas et des kits alimentaires sont distribués chaque jour. Après l'explosion, plus de 1000 jeunes se sont portés volontaires dans tout le pays. C'est hyper dur de voir les gens tristes, les gens blessés, les gens qui ont plus envie de vivre, qui ont plus envie de rester, qui veulent quitter le Liban. Personnellement, quand j'aide une personne ou quand je les vois sourire, je deviens joyeuse. بعد بكامل صحتي ما ساعدت لبنان بهالوضع الاقتصادي الصعب. يعني مين حيساعدهم؟ فأنا ما زال ما عندي شيء هلا مع إنه عندي إكزامز وترمينال وهيك. بس بضل عندي وقت فراغ فاضي لساعد العالم المحتاجة. فإيه يعني شو ناقصني؟ ما ناقصني شيء عندي إجرين وإيدين. Dans le pays, ce sont majoritairement les ONG comme Caritas Liban qui se mobilisent pour venir en aide à cette population vulnérable. Après l'explosion du 4 août, des milliers d'immeubles ont été détruits, comme celui d'Annabelle. ما بعرف كيف الله تشفع فيي وقال لي شد بهالباب الاسانسير عم شد فيه بلاقي العالم كله سكان البنايه نازلين على الدرج ومدممين ما عرفت انا طالعه مصدومه من الاسانسير مش عارفه شو عم بيصير بنزل لتحت على المدخل بلاقي الدنيا كلها قايمه قاعده المهم بيقولوا لي الجيران انه بيت امي كراح. L'appartement a été complètement soufflé. Plus de murs, plus de portes, rien n'est resté debout. Un an après, le quartier reste encore dévasté. Grâce à l'aide de Caritas Liban, Annabelle a pu rénover l'appartement. Araès et sa famille ont connu le même sort. Le jour de l'explosion, il était à l'hôpital pour accompagner son père qui a eu une opération au cœur. Le lendemain, il retrouvait l'appartement dévasté. الضغوط الكتيرة اللي عم بتصير علينا بعد أصعب من الانفجار. الانفجار كان كتير صعب وجرح بقلبنا نحن ما رح فينا نطلع منه ما رح فينا ننسى. بس اللي عم نعيشه كل يوم نحن بلبنان ما إنه مقبول أبدا. نحن درسنا وتعلمنا وعم نشتغل مش تنعيش هيدا العيشة مش تنعيش بهيدا الطريقة يعني. L'avenir du Liban est incertain et les besoins d'assistance ne sont pas prêts de diminuer pour accompagner ses habitants et remettre leur pays debout. Voilà, nous sommes toujours au siège de Caritas au Liban avec celui qui assure la coordination de l'ensemble, son président, le frère Michel Aboud. Bonjour mon père. Bonjour Philippine, bonjour à tout le monde. Père Michel, on imagine bien que depuis l'explosion du 4 août, les besoins se sont encore démultipliés. Et on voit dans le reportage de Juan Diego Ortubé combien l'aide alimentaire aujourd'hui reste indispensable. Malheureusement, on a commencé à travailler avec les gens pour ne pas mourir. Ce n'est pas pour vivre et préparer pour l'avenir, pour ne pas mourir. Et pour ne pas mourir, il faut manger. C'est pourquoi on a commencé à assurer les choses alimentaires à donner aux pauvres. Et aussi à assurer les médicaments et autres. L'explosion était il y a maintenant une année. Est-ce que la situation s'améliore ou se détériore? Se détériore, bien sûr. Parce qu'il y a les pleines crises au Liban. Avant l'explosion, Nous sommes entrés dans une crise de Covid, Corona. Nous sommes entrés dans une crise économique. Avec Corona, beaucoup de gens ont perdu beaucoup de familles. Au Liban, nous sommes arrivés
à 60 ou 70 morts par jour. Il y a à peu près 3 morts par heure. Il y a le pays était fermé. Donc, il y a beaucoup de travaux qui se sont arrêtés. Il y a des gens qui travaillent chaque jour, journaliers. Donc, ils sont restés sans salaire, sans aucune monnaie. Et on dit aucune monnaie, oui. Durant la crise économique, il y a beaucoup, le prix est augmenté. Donc, si avec mon salaire, j'achète une chose, maintenant, je ne peux acheter aucune chose. Parce que si le salaire était 1000 dollars, tout de suite est devenu 100 dollars. Mmh. Et imagine-toi, avec une famille de 4 personnes, une famille de 5 personnes, tu sais, il y a beaucoup de familles libanaises qui sont nombreuses. Avec l'explosion de Beyrouth, nous sommes entrés dans le choc et nous sommes entrés dans une autre crise. Et crise économique et crise psychique et existentielle. Si dans la capitale du Liban, nous ne sommes pas en sécurité, où nous devons être. Mm. C'est pourquoi nous sommes commencés à penser à laisser le Liban. Et après l'explosion de Beyrouth, il y a des quartiers qui sont devenus vides. Il y a des maladies psychologiques. C'est pourquoi aussi Caritas a travaillé avec beaucoup de psychologues. Il y a des enfants qui ne sont pas arrivés à dormir durant la nuit. Il y a des mamans et des papas, ils ont quitté leurs travaux. Parce qu'ils ont peur de laisser leurs enfants seuls. C'est pourquoi il y a des gens qui ont perdu leur maison, qui ont perdu un de leur famille, qui a perdu sa maison. Il a dit, OK, nous sommes encore vivants. Mm. OK, la maison est détruite, qu'elle soit détruite. Qui a perdu un membre de la famille. Il a dit, nous avons perdu le cher. À quoi sert d'avoir la maison? C'était le choc. Après, on s'est réveillé. Les morts sont morts. Et la maison est détruite. Et qu'est-ce que nous allons faire? Il y a une autre crise qu'on n'a pas encore évoquée, c'est celle des réfugiés. Il y en a depuis très longtemps ici au Liban avec l'afflux des réfugiés palestiniens. Mais il y a eu la guerre en Syrie et la venue de nombreux réfugiés syriens. Caritas a aussi été présente auprès de ces réfugiés. Oui, parce qu'à cause des donations de l'extérieur. Parfois, on a plusieurs crises à cause de réfugiés. Parfois, on a la crise existentielle. Ces réfugiés sont venus au Liban pour rester au Liban ou pour retourner dans leur pays. Est-ce que le Liban peut, ce petit pays, contenir tous les réfugiés? C'était une question existentielle. Si les réfugiés sont venus ici pour rester au Liban, on ne peut pas continuer. C'est pourquoi, avec la réception des réfugiés, il y a une mémoire blessée avec les Libanais. Mmh. Parce qu'avant, c'était la guerre avec la Syrie. Il y a beaucoup de prisonniers qui sont perdus en Syrie. Quand un réfugié syrien est venu chez nous, il n'est pas bien accepté. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut dire à une maman qui a perdu deux enfants tués par les Syriens et tout cela? Notre passé et notre mémoire est blessée. Un, deux, les réfugiés sont ici devant moi, devant nous, comme Libanais. D'un regard chrétien, on voit dans chaque personne la famille sainte. La famille sainte était réfugiée quand ils ont laissé Nazareth et allé en Égypte. C'est pourquoi il faut les accueillir d'un esprit chrétien. Et aussi avec la société mondiale. C'est pourquoi il y avait une lamentation de la part des Libanais. Vous êtes en train d'aider les Syriens et vous laissez le peuple libanais. La réponse était, aucune monnaie libanaise est donnée aux réfugiés syriens. Quand vous entendez ce type de propos de Libanais qui souffrent et qui se sentent en difficulté, est-ce que vous arrivez à leur faire entendre que effectivement la situation des réfugiés n'est pas enviable? Quand la Caritas voit avec l'Église, avec les yeux de l'Église, avec les yeux de Dieu, il voit dans tout le monde que nous sommes frères. C'est pourquoi il ne faut pas distinguer. Saint Padre Abouna Ya'oub el-Kabouchi, Jacques le Capucin, nous enseigne, il est le patron de Caritas. La fontaine ne demande pas à qui a soif, qui es-tu?
Ils donnent de l'eau sans demander. Et si nous sommes le Fils de Dieu, il faut donner sans demander. C'est quoi aujourd'hui, Père Michel, votre principal souci, votre principale préoccupation? C'est de passer cette crise-là. Parce que le Liban, il est en train de vivre une grande confusion. Le futur est obscur. Si on demande à un politicien, un chef d'État, un responsable, qu'est-ce qu'il y a après au Liban, il ne sait pas répondre. C'est pourquoi nous sommes devant cette confusion totale. Et quand la personne est perdue, il n'arrive pas à travailler. Ici, parfois, on met un projet et on lance un projet. La réponse sera, est-ce que nous allons rester au Liban? Est-ce que nous allons rester vivants? C'est pourquoi parfois les gens ont peur de faire un projet. C'est pourquoi nous avons ce souci-là. Mais cela ne nous empêche pas de continuer notre vie telle qu'elle est. Si on veut vous aider, Père Michel, bien sûr, on peut envoyer des dons à Caritas. Si on veut vous soutenir dans la prière, qu'est-ce qu'on demande au Seigneur? Le Liban est passé dans des pleins de crises et nous sommes là. Nous avons expérimenté la présence du Seigneur aux côtés de nous. C'est pourquoi nous n'avons pas peur. C'est pourquoi il faut persévérer. Et Jésus était clair, vous, que vous êtes vécu la persévérance avec moi, à vous le royaume des cieux. C'est pourquoi ici, ils ont pris nos maisons, ils ont frappé notre situation économique, ils ne peuvent pas frapper notre foi. Nous avons la foi, nous avons Dieu, nous avons tout. Merci, Père Michel. On va suivre maintenant un autre reportage de l'équipe, cette fois pour répondre aux besoins nombreux dans le domaine de la santé. Dans le centre médico-social Saint-Jean-Baptiste, dirigé par l'Ordre de Malte, Liban, à Beyrouth, le personnel soignant accueille à peu près 250 bénéficiaires par jour. Un chiffre qui a triplé en un an. Bonjour, monsieur. Okay. Les difficultés que passe le système de santé, c'est la rupture des médicaments, c'est la rupture des produits réactifs. Tous les hôpitaux et tous les laboratoires, ils ont arrêté de prodiguer des services de laboratoire et même des services de santé médicaux. Alors l'individu, il est maintenant abandonné. Depuis plusieurs mois, une pénurie de médicaments a frappé tout le pays. Dans les pharmacies, il est pratiquement impossible de trouver de simples antidouleurs ou des traitements pour les maladies chroniques. Mirna, 62 ans, souffre de diabète. Et pour elle, difficile de suivre son traitement. Nous, on n'a pas tous les médicaments. Mais il y a une grande quantité de gens qui sont en train de prendre les médicaments de chez nous. La plupart des médicaments sont les médicaments chroniques. Il y en a les gens, les diabétiques, les cardiaques. Ils ne peuvent pas rester sans leurs médicaments, ce qui est très important. Et nous, on essaye autant que possible de les dépanner chez nous. Autre problématique, l'immigration forcée des médecins. La plupart des professionnels de la santé quittent le Liban pour pouvoir exercer leur profession. Ici, il manque de matériel, de médicaments, et avec la dévaluation, les salaires ont fortement diminué. Le docteur Julien Laoud, responsable du pôle médical de l'Ordre de Malte Liban, a décidé de rester pour donner un sens à son travail. Que ce soit moi ou ma femme, nous recevons régulièrement des offres d'emploi à l'extérieur.
Nous avons nos enfants qui sont là, scolarisés dans une école ici au Liban. C'est sûr que la décision était difficile, mais le choix a été pris. Nous avons choisi de rester ici au Liban. Nous avons un devoir et une responsabilité morale à rester ici. Nous devons faire face à ce mouvement, à tout ce changement à travers mon travail en tant que professionnel de la santé. Les soins médicaux au Liban sont chers et inaccessibles pour une grande partie de la population. Actuellement, la plupart des Libanais n'ont pas les moyens de souscrire à une assurance maladie qui, elle aussi, est coûteuse. Ici, à Saint-Jean-Baptiste, les consultations sont gratuites. Un avantage pour Rita, mère de famille de 6 enfants, qui a rendez-vous avec le pédiatre. بس أكيد وضعنا مثل وضع كل العيال بلبنان في صعوبة بكل شيء وفي غلا وفي صعوبة بتأمين الحليب وبكتير إشياء يعني الكل بيقول إنه نحنا هلأ بجهنم بس أنا بشوف إنه بهيدي جهنم في إيد عم بتبورد النار اللي بتحرق هي إيد الله. Actuellement, l'ordre de Malte Liban pilote 40 projets sociaux sur l'ensemble du territoire libanais, dont 11 centres médico-sociaux et 7 unités médicales mobiles. 200 000 actes médicaux sont réalisés chaque année pour répondre aux demandes de traitements médicamenteux très variables. Maladies infantiles, diabète, pathologies cardiovasculaires et autres maladies chroniques. Et nous nous retrouvons justement maintenant au siège de l'Ordre de Malte au Liban avec sa déléguée générale, Oumaïma Farah. Bonjour Oumaïma. Bonjour Philippine. Merci de nous accueillir. Oumaïma, on a vu dans ce reportage combien l'action de l'Ordre de Malte au Liban dans le domaine de la santé est aujourd'hui vraiment importante. Elle est très importante, surtout que la mission primaire de l'Ordre de Malte est une mission hospitalière. Et donc, nous sommes appelés aujourd'hui à développer vraiment tous nos soins de santé qui s'étalent partout sur le territoire libanais. Ce qu'on vient de voir dans le reportage n'est qu'un de nos centres, le centre qui est le plus proche de Beyrouth, à Ain El-Rmene. Donc une santé efficace, disponible, de haute qualité et ouverte à tous. Je pose cette question parce que parfois on a l'impression qu'au Liban, chacun aide un peu ses propres troupes. Alors c'est ce qui a fait justement quelque part la différence de l'ordre de Malte. De un, c'est un ordre qui est apolitique. Et c'est très important dans la conjoncture libanaise puisqu'on sait que la plupart des organisations humanitaires dépendent de différents partis politiques à des fins, comme on le sait, qui ne sont jamais vraiment gratuites. Et donc c'est pour ça aussi que lorsqu'on reçoit des patients, il y a toujours une participation symbolique du patient si le patient peut se le permettre, suivant bien sûr une étude du cas de vulnérabilité, pour faire sentir à ce patient qu'il n'a pas à mendier. Et qu'il n'y a pas une autre contrepartie. Exactement, exactement, ces soins de base. Et c'est là où la confiance finalement a été créée. L'ordre, non seulement sert tout le monde selon son motto qu'on a adopté au Liban, qui est « je ne te demande ni ta couleur, ni ta race, ni ta religion, dis-moi quelle est ta souffrance », mais donc il sert tout le monde, mais aussi il travaille main dans la main avec tout le monde. Nous travaillons donc en partenariat avec la communauté sunnite, avec Dar el-Fatwa, qui est la plus haute instance sunnite au Liban, avec la fondation Imam al-Sadr, qui est une très grande fondation chiite, avec une fondation druze, aujourd'hui avec les Arméniens. Donc on travaille avec toutes les communautés pour pouvoir servir un plus grand nombre de personnes. C'est peut-être le moment, Oumaïma, de redire à ceux qui peut-être connaîtraient moins l'Ordre de Malte, et spécialement l'Ordre de Malte au Liban, quelques mots sur cette organisation. Alors déjà, l'Ordre de Malte, si on veut la définir très simplement en trois catégories, en fait, d'abord, c'est un ordre religieux qui est né il y a 900 ans à Jérusalem, donc on est toujours en Terre Sainte, d'où l'importance de la présence de l'Ordre. Pas loin, donc au Liban. L'ordre aussi est un sujet de droit international. Donc c'est un ordre souverain, il a des relations diplomatiques et il suit une diplomatie humanitaire. Et la troisième conjoncture finalement qu'il a, c'est finalement l'ordre aujourd'hui, c'est la plus ancienne institution humanitaire qui existe puisqu'elle a 900 ans et qu'elle est encore active jusqu'à aujourd'hui. Avec les crises qui se superposent, qui s'accumulent et par surcroît l'explosion du 4 août 2020, les besoins ont dû augmenter considérablement.
considérablement est un petit mot, je pense, tellement les besoins sont grands. Et si on veut repenser un peu à l'état de santé du Libanais, mis à part sa santé physique qui se dégrade suivant le manque d'accès aux soins et aux médicaments, la santé mentale aussi, toute la pression qu'il vit suite aux crises financières, à la crise sociale, à l'explosion, au confinement. Donc tout ça, en même temps, a fait que le Libanais aujourd'hui est à bout de nerfs, il est à bout de force. Et nous avons lancé aussi, suite à l'explosion aussi et aux multicrises, une très grande campagne pour briser le tabou chez les personnes vulnérables, pour les encourager à parler tout d'abord de la santé mentale, à reconnaître. C'est une manière très importante à la fois de s'inscrire dans une réponse à l'urgence, mais aussi de s'inscrire dans le temps long pour le suivi et l'accompagnement des personnes. Je voudrais qu'on aborde une autre facette de votre action, c'est l'agro-humanitaire. Peut-être on ne comprend pas spontanément de quoi il s'agit. Suite à aux différentes crises, il faut savoir que le Liban est à 80% importateur. Donc le Libanais, aujourd'hui, face à l'inflation, ne peut plus acheter des produits de qualité. Et avec l'exode des jeunes ou la perte de leur emploi en région urbaine, ils se replient sur leur village. Donc on essaie de leur donner une opportunité. C'est un cercle vertueux en fait, qu'on a créé autour de ce programme-là, qui a été fait au travers de nos centres de soins de santé primaire. Donc, en fait, c'est une façon aussi de lier les centres à leur communauté. Et c'est une façon aussi de lier l'agriculture à la santé. Parce qu'on sait qu'en période de crise, la malnutrition est un très grand problème. Et donc là, il faut absolument éduquer les gens à une bonne alimentation, mais aussi éduquer les agriculteurs à une bonne agriculture. Et donc, très rapidement... Concrètement, comment ça marche ? Alors, concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on achète des graines qui sont choisies sur leur valeur nutritive, mais aussi des graines qui font partie du panier alimentaire en fait, du Libanais, et facilement vendables donc pour l'agriculteur. Nous faisons un critère de vulnérabilité auprès des petits agriculteurs. Nous n'allons pas vers les débutants ni chez les agriculteurs professionnels. Ce sont vraiment les petits agriculteurs qui sont dans les régions rurales où nos centres sont présents. Nous plantons pour eux les graines. Donc, ils n'ont pas à passer cette étape. Donc là, on est en train de soutenir les productions locales, donc, puisqu'on achète les graines localement. On est en train de soutenir aussi la main-d'œuvre locale, puisque ce sont les personnes qu'on est en train d'employer qui plantent ces graines. Une fois que ces graines deviennent des plants et qu'on s'assure de leur qualité, nous les distribuons aux petits agriculteurs. Et il y a un suivi qui se fait tout au long de ce processus-là, avec un suivi, donc des visites sur le terrain, mais aussi avec des formations pour les petits agriculteurs pour leur apprendre les meilleures façons de cultiver leurs terres. Et en parallèle, on fait beaucoup de sensibilisation, parce que la sensibilisation à la santé passe aussi par la nutrition, donc au point de vue de la nutrition à travers nos centres. Donc c'est vraiment un cercle vertueux. Et ce qui est très beau finalement dans ce programme-là, c'est que ces petits agriculteurs, quand ils viennent pour participer à ce projet-là, on les fait signer un engagement de redonner 5% de leur production aux personnes vulnérables qui se font traiter dans nos centres. Donc, ils ont reçu, mais en même temps, ils redonnent aussi. Merci pour ce témoignage, Oumaïma. On va poursuivre nos rencontres avec tous ceux qui se mobilisent au quotidien. Il y a l'aide concrète, très concrète, comme celle que vous venez d'évoquer. Et puis, parfois, l'amitié, c'est aussi simplement une présence, comme celle de ces sœurs, au cœur de la misère des réfugiés. Caché derrière un hôtel luxueux, le camp de Dbaïa se situe au nord-est de Beyrouth. Ici vivent environ 500 familles palestiniennes depuis qu'elles ont été chassées de Palestine en 1948. S'y sont ajoutés, depuis 2011, des réfugiés syriens. Au cœur de ce camp, qui ressemble aujourd'hui à un vrai village, vivent des petites sœurs de Nazareth. Ce matin, elles sont chez des Palestiniens qui vivent ici depuis plusieurs générations et qui y conservent tous leurs souvenirs. Voilà, ça c'est elle. Ça c'est son père et sa mère. La mère, qui a 91 ans, a dû quitter la Palestine à l'âge de 15 ans. Deux de ses enfants vivent aujourd'hui avec elle. Ils ne survivent que grâce à l'aide financière de leurs frères et sœurs, partis à l'étranger. Sœur Magda, d'origine belge, est arrivée dans le camp pour la première fois en 1970. On connaît cette famille depuis longtemps. Normalement, les familles palestiniennes et libanaises, on les connaît.
Les familles syriennes, c'est plus, un peu plus difficile parce qu'ils viennent, ils partent. Mais tout le monde vient. Mais il y a des moments, par la maladie de Khalil, et elle, à un moment donné, était aussi malade. Donc, à ce moment, on nous appelle. Et à ce moment, tu as un lien qui est autre. Et ça reste alors. Espérons qu'un jour, on peut retourner. Oui. À nos maisons, à nos terrains, c'est ça. Allah Kbir. Si Dieu le veut. Cette famille espère encore pouvoir retourner un jour en Palestine. Actuellement, ces réfugiés, de génération en génération, ne peuvent être naturalisés selon la constitution libanaise et n'ont aucune protection sociale. Les sœurs, grâce aux dons et à des associations comme l'Œuvre d'Orient, essaient d'aider ces personnes au quotidien pour trouver des médicaments ou payer des opérations, par exemple. Bonjour. Elles rendent ensuite visite à deux sœurs, Yola et Amal. Toutes deux malades, elles ne peuvent plus travailler pour subvenir à leurs besoins. L'entraide est primordiale pour réussir à s'en sortir. La solidarité, quand ils ont des médicaments qu'ils ne prennent plus, on les garde et on nous donne. Donc nous pouvons donner aux autres. Les deux femmes sont chrétiennes et dans leur dénuement, la foi les soutient. My life. Jesus, Mary. Help me. As well help me. Face à cette misère, les petites sœurs de Nazareth tiennent à rester une présence fraternelle dans le camp qui est devenue leur propre maison. J'aime ce camp, j'aime les gens. Et quand on voit comment les gens doivent lutter pour vivre, je dis, je les admire. Ils sont tellement gentils. Même si un jour, même si un jour ils nous réclament parce qu'on n'a rien à donner, on doit refuser, je ne me fâche pas. La maison des sœurs se trouve à l'entrée du camp depuis 34 ans. Cécilia, qui est infirmière, est arrivée la dernière dans la communauté, il y a 2 ans. On espère qu'on apporte la bonté de Dieu peut-être, ou parfois, surtout dans cette circonstance qui est très difficile pour les gens, qu'on les amène l'espoir. Leur vie s'appuie sur la spiritualité de Charles de Foucault. Et le plus important, c'est l'amitié et l'aide spirituelle. Ils nous confient leurs intentions. On a dehors, je ne sais pas si vous l'avez vu, on institue la Vierge. On a une bougie, toujours allumée. Et ils savent, ça c'est pour leurs intentions. C'est une belle mission, pas facile, mais c'est une mission qu'il faut la peine pour donner sa vie. Et nous nous retrouvons maintenant à Jaïta, à peu près à 20 km au nord de Beyrouth, au siège du vicariat apostolique pour les catholiques de rite latin, avec Monseigneur César Essayant. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Monseigneur, le pape François avait convoqué le 1er juillet une journée de prière et de réflexion pour le Liban, à laquelle il a invité les 9 responsables chrétiens. Avec quoi est-ce que vous êtes revenu de cette journée ? Alors, c'était une journée qui était très intense. Et je ne sais pas si je suis encore revenu de cette journée. En vérité, il nous faut encore beaucoup de temps pour réaliser ce qui s'est passé. Parce que dans cette journée, on peut parler de plusieurs angles. La première, c'est que cela nous a permis de nous retrouver entre nous. Déjà, de parler très librement durant des moments qui étaient des moments libres, ça nous a permis aussi donc d'échanger et de nous comprendre un petit peu mieux et de faire grandir l'amitié. Et ça, c'est, je pense, c'est quelque chose de très important qu'entre les différents responsables des confessions présentes sur le territoire libanais, une relation d'amitié puisse naître et grandir et croître. Parce que cela permettrait un échange de plus en plus libre
et de prévoir quelque chose de nouveau pour le Liban et pour nos fidèles. Mais on parle beaucoup de la division du Liban entre différentes communautés, mais les chrétiens aussi sont divisés entre eux. Oui, 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 mais ça c'est notre histoire, vous savez. C'est une histoire qui nous a porté à ce que nous sommes aujourd'hui. Et une des choses que j'avais relevées quand nous étions donc justement dans cette deuxième partie de rencontre officielle donc, et de réflexion avec le pape, c'était de nous dire que si nous voulons créer un Liban nouveau, il faut revenir à notre histoire. Il faut qu'on se pose la question pourquoi nous sommes arrivés à ce moment de division entre nous en tant que Libanais, entre nous en tant que chrétiens, mais entre nous aussi en tant que musulmans. Qu'est-ce qui a fait que nous n'avons pas su tenir dans notre unité? Qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas su vraiment donner la priorité à notre pays? Pourquoi nous n'avons pas su faire du Liban une nation? Pourquoi nous n'avons pas pu devenir un seul peuple, mais nous sommes restés des groupes de peuples? Et si nous ne faisons pas une relecture de notre histoire, s'il n'y a pas une purification de la mémoire, s'il n'y a pas à un certain moment un recul, une acceptation que nous avons fait le mal, que nous allons nous demander pardon les uns les autres, que nous voulons réellement nous réconcilier, faire justice, mais qu'une justice se base sur une vérité et que la justice puisse porter à la paix. Je me pose beaucoup de questions sur le Liban que nous allons construire. Au fond, vous dites que la relecture de la guerre n'a jamais été vraiment faite. Les accords de Taif ont imposé un statu quo. Oui, pas un travail de réconciliation en profondeur. S'il n'y a pas un travail de réconciliation en profondeur, je doute fort que nous puissions reconstruire un Liban qui soit durablement en paix. On peut essayer de trouver d'autres systèmes politiques, mais il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de retrouver l'identité libanaise telle que le pape François nous l'a rappelé dans sa lettre de Noël, telle qu'on en a parlé aussi le 1er juillet, celle du vivre ensemble, qui fait cette unicité du Liban, mais aussi sa complexité. Le grand défi, c'est de me dire chrétien, c'est qu'ils se disent musulmans et qu'on se mette ensemble dans une amitié de partage, d'échange, et qu'on essaye de nous dire, oui, comment nous allons préserver nos identités, mais comment nous allons être Libanais et montrer au monde vraiment un visage d'entente, du vivre ensemble et d'un témoignage de fraternité. Cette ambition-là, vous la partagez avec des responsables musulmans, sunnites ou chiites ou druzes? Je pense qu'il est très clair que ce qui s'est passé depuis la révolte, qu'il y a un désir du vivre ensemble qui est exprimé par une grande majorité de la population libanaise. Mmh. Au cours de cette journée du 1er juillet, vous l'avez dit, il y a eu des temps informels, il y a eu les temps d'exposition, les trois introductions, puis les échanges avec le pape, et puis la journée s'est terminée avec cette prière écuménique et ce texte du pape, dans lequel il donne au fond un peu une mission à chaque catégorie. Il interpelle les citoyens du Liban pour qu'ils ne perdent pas l'espérance. Il parle spécifiquement des femmes, des anciens, des jeunes, etc., etc. Et puis il reprend quelque chose que, hélas, on entend souvent. C'est aussi la nécessité d'avoir un personnel politique dans ce pays qui soit au service du bien commun et pas au service de ses intérêts personnels. C'est une vraie difficulté aujourd'hui. Oui, c'est une vraie difficulté. Il y a deux choses qui sont pour moi très importantes. La première, c'est que, comme je disais avant, sans une relecture du passé, on ne peut pas aller de l'avant. Et justement, si ce sont les mêmes seigneurs de la guerre, les seigneurs de la guerre qui, eux, donc on est dans une nouvelle féodalité, un système qui nous ronge de dedans. Cela a fini par créer une corruption et une mentalité de corruption qui nous atteint tous. Donc nous avons besoin d'un temps de purification, et ça c'est très important. Personnellement, je ne crois pas que ceux qui ont fait la guerre sont capables de faire la paix, parce qu'aujourd'hui, et ça je l'ai dit, il n'y a rien qui les oblige à faire la paix. Rien. La deuxième chose qui me semble très importante, c'est aussi les ingérences extérieures dans ce propre pays, dans ce Liban, dans ce pauvre Liban, où tout le monde veut quelque chose de ce pays. Donc, la difficulté, elle est là. Vous parlez des voisins, la Syrie, l'Iran. Je parle de tous les pays, oui, de tous les pays, les petits et les grands. Chacun a besoin de quelque chose de ce pays. D'une part, c'est un pays qui était tellement beau, tout le monde le veut, oui.
Et ça, il faut aussi qu'on s'en sorte, dans un certain sens. Mais ce qui prime aujourd'hui, c'est que les Libanais se disent une chose qui est très importante, ce que je peux faire pour le Liban, je vais le faire. Et je ne vais pas aller chercher l'espérance ailleurs. L'espérance ailleurs n'existe pas. Le Libanais qui est au Liban est l'espérance du Liban aujourd'hui. Mais vous dites ça au moment où le pays est en plein chaos et vous savez mieux que moi que beaucoup cherchent à partir. Beaucoup déjà sont partis cette année. Il y a des gens qui cherchent à partir, très bien. Ce pays leur a donné beaucoup. Il les a fait grandir. Il leur a donné d'étudier. Ça, c'est ces jeunes qui ont grandi dans nos écoles, dans nos paroisses. Ils doivent bien quelque chose à ce pays. Ce pays, c'est aussi leurs parents, c'est aussi leurs grands-parents, c'est aussi leurs ancêtres qui ont lutté pour ce pays. Et nous allons continuer à lutter pour ce pays. Et il n'est pas juste que nous luttions tout seuls pour ce pays. Qu'ils nous donnent un coup de main de là où ils sont, s'ils ne sont pas capables de rester. Nous ne condamnons personne. Chacun va faire sa propre vie. Il a le droit de penser peut-être à lui-même, mais on n'a pas le droit d'oublier ceux qui restent. Et ceux qui restent, il y en a qui sont en train de forger leur propre avenir avec leurs propres mains, leur propre tête, et ils sont en train de créer de rien quelque chose de nouveau. Il y a des jeunes qui sont en train de monter de petites usines, et j'en connais, et qui demandent à être soutenus, et on les soutient. Deuxièmement, on s'engage avec beaucoup d'autres personnes au niveau du vicariat, mais au niveau de toutes les congrégations que je connais, au niveau de l'Église, au niveau de Caritas, etc., à soutenir toutes les familles pour que nous puissions aller de l'avant. Il ne s'agit pas, et je ne parle pas en tant que chrétien seulement, il ne s'agit pas de soutenir les chrétiens. Nous n'avons jamais pensé seulement à nous. Nous pensons au Liban, parce que ou bien on se sauve tous, ou personne ne se sauve. Il faut sortir de cette équation qui dit qu'une communauté doit se sauver elle-même. C'est fini, c'est fini. Les musulmans ne pourront jamais vivre sans les chrétiens, et les chrétiens ne vivront jamais sans les musulmans. Si on prie pour les Libanais, on demande quoi aujourd'hui ? Oui, il faut prier pour les Libanais, pour que les Libanais se rendent compte qu'ils sont l'espérance du Liban d'aujourd'hui. Et qu'on n'attende rien des autres. Parce que le Libanais, il s'est habitué, malheureusement, à mendier et attendre que le salut nous tombe sur la tête, de quelque part. Il faut qu'on le fasse nous-mêmes. Il faut qu'on construise nous-mêmes notre pays. Qu'on se pose les vraies questions. Qu'on se pose la question, quel est le Liban que nous voulons, et qu'on y aille. À court terme, l'aide internationale, elle peut tout de même aider un pays où, aujourd'hui, selon l'UNICEF, 30% des enfants se couchent le ventre vide? Oui, oui, mais vous m'avez dit avant que j'ai un franc-parler, que l'aide internationale nous aide réellement à avoir de nouveau l'électricité comme il faut, et les autres besoins fondamentaux, au lieu de le permettre en quantité limitée. Que les pressions internationales sur le Liban cessent et que les avoirs des Libanais dans les banques ne soient pas sous pression internationale non plus. On en a marre de continuer à tuer des innocents et à laisser libres les vrais coupables dans ce pays et dans tous les autres pays du monde. Ce qui se passe au Liban ne se passe pas uniquement au Liban. Si je regarde vers la Syrie a été détruite, la population est devenue de plus en plus pauvre, mais qu'est-ce qu'on a fait pour la Syrie? Est-ce qu'on a changé quelque chose? Absolument rien. Les réfugiés syriens sont encore en train de vivre dans des conditions qui empirent. Qu'est-ce qu'on a fait pour les Palestiniens? Absolument rien. Gaza vit dans une situation encore pire. Qu'est-ce qu'on fait pour les pays en Afrique? Encore pire. Quand est-ce que la communauté internationale va se réveiller, qu'il y a quelque chose ou un autre chemin à prendre au niveau international? Je ne sais pas. Mais il y a un autre chemin, que le chemin de la paix peut-être peut profiter économiquement à tous les pays du monde un petit peu plus que celui de la guerre. Il faudrait refaire un petit peu les comptes, que les armements et la vente d'armements n'est peut-être pas la meilleure solution qui existe sur la Terre. Vous avez parlé, Monseigneur, à plusieurs reprises des écoles et des enfants. Ah oui. Ils sont donc l'avenir de ce pays, les enfants, les jeunes, les adolescents. Et Ophélie Marien est allée les voir.
C'est les vacances. Mais l'école des trois docteurs, le plus ancien des établissements scolaires de Beyrouth, accueille pendant tout le mois de juillet des maternelles pour une colonie. Après presque un an et demi sans aller à l'école à cause de la crise sanitaire, revenir ici est important pour ces jeunes enfants. L'objectif de cette colonie, c'est de réduire un tout petit peu le stress qui a été dû à ce confinement, retravailler un peu tout ce qui est socialisation avec les enfants. Donc, ils sont un tout petit peu habitués pour la prochaine rentrée scolaire. Mais si l'école est restée fermée plusieurs mois, c'est aussi à cause de l'explosion du 4 août 2020, qui a fortement touché les bâtiments très proches du port de Beyrouth. Donc nous nous trouvons ici à l'entrée de la garderie Ptini, qui est la garderie de l'école des trois docteurs. Et comme vous constatez, nous sommes à peine à 500 mètres à vol d'oiseau du port et de l'explosion. Cet espace qui a été le plus touché par l'explosion du 4 août, vous devez imaginer que les colonnades, les deux séries de colonnades, étaient complètement par terre. Les salles de classe ont été réhabilitées en priorité pour la rentrée. Mais le reste des travaux ne sera pas fini avant août. C'était une baie vitrée énorme, donc vous devez imaginer que tout ce qui est là était rempli de verre. D'ailleurs, toutes les portes et les fenêtres des classes avaient sauté. L'œuvre d'Orient a pris une part active dans cette reconstruction. L'association, depuis sa création au XIXe siècle, a toujours accordé une grande place au soutien des écoles libanaises, car elles représentent un réel enjeu pour le pays. Il y a 350 écoles chrétiennes francophones au Liban. Donc c'est un réseau solide et qui permet une certaine mixité, une convivialité entre les différentes communautés et qui est fondamentale voilà, pour le Liban de demain, parce que c'est aussi, paradoxalement, ces écoles chrétiennes qui promeuvent une sorte de laïcité, parce que ces écoles, généralement, acceptent autant de musulmans que de chrétiens et permettent, sur le long terme, voilà, une certaine paix. Dans un autre quartier de Beyrouth, Marie-Ange, en terminale, se prépare pour aller au lycée. Cette dernière année scolaire avant l'université a été difficile, en pleine crise sanitaire et économique. La famille ne dispose que d'un ordinateur, alors pour laisser ses deux sœurs étudier, elle a dû suivre ses propres cours sur le petit écran de son smartphone. Sur Teams, donc... toute la journée. Même la place de la maison, elle est trop petite. Les feuilles, les papiers, les cahiers... Tout ça est trop cher. Ce matin, Marie-Ange va chercher son bulletin de notes. J'espère que nous avons réussi à vous donner un souffle missionnaire et à travailler à la formation de citoyens responsables pour que vous soyez un ferment dans notre monde. Bravo. Bravo. Pour ces jeunes Libanais qui quittent le lycée, quel avenir espérer dans leur propre pays? En fait, j'ai un peu peur de l'avenir et je ne sais pas, car à peu près la situation est assez triste et un peu dure pour nous. Mais on doit continuer malgré tout et j'espère que je puisse vraiment faire un impact dans mon pays. Mais bien sûr, je dois commencer à étudier et vraiment créer moi-même afin que je puisse peut-être, quand je serai grande, vraiment faire un impact au Liban. En fait, ici au Liban, donc, il n'y a pas beaucoup de chances de travail. Donc, si tu étudies, tu vas peut-être rester à la maison, ne pas travailler. Donc, j'espère que dans le futur, je pourrai donc avoir un travail. Personnellement, je vais partir à l'étranger. Mais quand je vais revenir, j'espère que le Liban sera un meilleur pays. Et je suis sûre que le niveau libanais académiquement ne va pas revenir en arrière, puisque nos écoles continuent leur mission et n'arrêtent jamais. Mais j'espère de tout mon cœur que la situation s'améliorera, car on veut revenir. Antoinette est la psychologue de l'établissement. À l'écoute des élèves, des parents et des professeurs, elle a perçu leurs inquiétudes tout au long de l'année, face à la crise économique qui touche le pays. Les familles n'ont plus confiance dans l'avenir dans ce pays-là. Donc, quand la famille est jeune, avec de petits enfants, et s'ils ont surtout le moyen de quitter, ils le font. Donc, ici, dans le collège, on a eu plein de cas de familles qui ont pris la décision d'émigrer dans d'autres pays. C'est un défi. Est-ce que nos élèves reviendront l'année prochaine? Est-ce que les enfants du Liban reviendront l'année prochaine dans leurs écoles? Les élèves,
La rentrée se prépare, malgré les incertitudes. Pour la directrice de l'établissement, l'espoir demeure. Que nous faisons confiance au Seigneur, qu'il ne nous abandonne pas. Et on a eu cette expérience cette année. Et nous avons la conviction que notre mission ne doit jamais s'arrêter, malgré tous les défis et les crises que nous sommes en train de vivre. C'est la fin de ce magazine. Je voudrais remercier ceux qui l'ont construit, mais surtout celles et ceux qui ont accepté de nous accueillir et de partager avec nous un peu de leurs espoirs et de leurs souffrances. J'espère surtout que ces reportages auront permis de mettre des visages sur les chiffres terribles de la crise libanaise. Alors, et maintenant, est-ce que la faim et le désespoir vont conduire à une nouvelle flambée de violence ? Comment vont se comporter le Hezbollah et les différentes factions politiques, mais aussi les pressants voisins que sont la Syrie, l'Iran et Israël ? Est-ce que la communauté internationale s'engagera suffisamment pour aider les Libanais à construire un nouveau Liban ? Personne ne peut dire ce qui va se passer dans les prochaines semaines et les prochains mois. Le Liban est malade, il est même à l'agonie, dit le patriarche maronite, mais il n'est pas mort. Chacun d'entre vous, chacun d'entre nous peut l'aider. Pour cela, on peut soutenir bien sûr les associations que vous avez vues à l'œuvre dans cette émission. On peut aussi prier. Et je voudrais finir ce soir en reprenant l'invitation du pape Jean-Paul II lorsqu'il était venu en visite au Liban. Demandons à la Vierge Marie, Notre-Dame du Liban, de veiller sur ce pays et tous ses habitants. Je vais.